Salut à tous, c'est Noxferan, on se retrouve pour un nouvel épisode de One Shot. La dernière fois, on a réussi à résoudre l'énigme des documents qui se trouvent hors du jeu. On a pu récupérer du coup un masque à gaz qui nous a permis d'explorer de nouvelles zones des terres désolées. Et maintenant, on se retrouve avec un nouvel objectif, réparer le robot qui s'occupe du bateau afin de traverser l'océan et de se rapprocher un peu plus de la tour. Mais pour ça, il faut qu'on trouve un moyen d'éliminer la rouille qui se trouve sur lui. Et pour ça, il va falloir sûrement qu'on fasse une réaction chimique. Et avec ça, on se retrouve du coup à côté de cette petite fontaine de gaz. Parce qu'apparemment, notre première étape, c'est de récupérer du gaz dans un conteneur. Et du coup, le seul conteneur que j'ai là, c'est ma bouteille. Donc j'espère que ça va marcher. Ouais, est-ce que c'est possible ? Ouais, ok. D'accord, on a une bouteille de gaz. Cool. Maintenant, il faut le garder scellé, par contre. C'est très important. On ne peut pas juste dévisser le bouchon et le verser quelque part, parce que c'est de la fumée. Après tout, c'est du gaz, ça va sortir. Ça va s'en aller très facilement. En revanche, il y a cette sorte de gelée. Qui, avec un peu de chance, devrait être utilisable avec la seringue. Ouais, on va essayer. J'espère que ça va marcher. Le liquide peut être un petit peu épais pour rentrer dans la seringue, on verra. Oh, ça marche. Ok, cool. Ok, c'est un petit peu dégoûtant, mais c'est pas grave. Et avec une seringue et un peu de chance, on devrait pouvoir piquer à travers le bouchon et insérer la gelée dans la bouteille de gaz sans avoir à enlever le seau. Ok, on essaye. Ouais. Ouais, t'es un peu un docteur, Nico. Tu fais de la chimie. Et on le secoue, ouais, c'est la prochaine étape. Ça a changé de couleur et on a désormais une bouteille d'acide. Ouais. Je crois que c'est tout. On a quoi ? On a une éponge. Et on a les gants. Qui s'utiliseront automatiquement, donc on n'a pas besoin de l'utiliser. Est-ce que je l'utilise sur l'éponge? Peut-être attendre un peu. On a une bouteille d'acide. Avec un peu de chance, cet acide devrait pouvoir nous permettre de nettoyer la rouille qui se trouve sur le robot. Je crois que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Si je ne m'abuse, on a exploré la carte assez correctement. Ok, salut. Bouteille d'acide. D'accord, donc c'est bien ça, il me faut l'éponge. On combine. Oh, et en plus, si tu peux mettre les gants, parfait. T'es doué, hein, Nico. Et voilà, ça a supprimé la bouteille. On a désormais une éponge. Avec de l'acide dessus. Marche, please, marche. C'est bon ? Yes, ça marche. Génial. Oh, même un cœur. C'est gentil. Tu peux enfin faire ton boulot. Ouais, est-ce que tu peux nous rapprocher de la tour qui se trouve au milieu? Alors, la destination la plus proche, c'est... The Glen. What? Ouais, il y a un circuit qui a grillé. C'est moyen. Oh, vraiment, tu peux pas... What? Ouais, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? Faut parler avec l'ingénieur en chef. Oh, donc Silver. Ah, d'accord, hein, moi qui me croyais être débarrassé. Voyage rapide. Lookout? Ouais, lookout. Et on y est. Salut! On a un robot qui a un problème. Il pourrait m'amener à la tour, mais il a un problème de cerveau, apparemment. C'est ça, c'est circuits de navigation qui ont grillé. Apparemment, oui. Il dit exactement les mêmes mots que moi. On est en symbiose, Nico et moi. Ah oui ? Ils peuvent tracer du matériel... Depuis leur location, depuis leur source, ok.
D'accord. Oh! C'est quoi? C'est un joli pendentif. Il brille aussi. Ouais. C'est de quoi? D'ambre. Trouvé dans la glaine. Qu'est-ce que c'est sur l'ambre? Ouais, le trèfle noir. Juste une plante commune ici. Ok. Et c'est quoi d'autre? What? Ah si, c'est ça que je veux dire. Elle est tamed, Silver. Ce qui veut dire qu'elle a un jugement personnel. Et malgré le fait que son programme lui dit oui, elle, son cœur, j'ai envie de dire son cœur, mais je suis pas sûr qu'elle ait un cœur en soi. Et ses sentiments lui disent autrement. Je suis sûr que c'est ça le principe. Merci Silver. J'imagine que c'est un morceau de souvenir très important pour toi, donc je vais y prendre soin. Est-ce que je peux t'en parler un peu plus de ça? Ouais, est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi, pour t'aider? Parler, jouer aux échecs? Oh, Nico sait. Ça va alors, si Nico le sait, moi j'ai pas besoin d'y jouer. Ah oui? Ok. Ok, ça c'est moyen, mais... Courage Nico, tu y arriveras. C'est pour lui faire plaisir en plus. Ah oui, alors si c'est un robot qui est programmé pour jouer aux échecs aussi... Ouais, Nico, je crois que... T'es un petit peu dans la mouise. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très proches de leur programme. Et toi aussi, tu en as parlé, ouais. Tamed. Hein? Ok, on a perdu une pièce d'échec, c'est pas grave. C'est compliqué? Comment ça? Allez, Nico, tu peux le faire. Tu peux pas l'expliquer? Moi je l'ai expliqué, j'espère que c'est ce que j'ai dit, mais bon. Ils ont tous été déplacés dans d'autres régions. Et le cavalier, hop là. Ouais, est-ce que tu as voyagé toi? Soleil, ouais. Non? De quoi que c'était... Mais pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Ah ouais? Vraiment? Ça a juste fait accélérer les choses, mais c'était déjà dans le déclin, avant que le soleil ne s'en aille. Ah ouais, du coup... Oh. Échec. Bah oui, mais à quoi ça sert si tu penses que ça ne servira à rien? À quoi ça sert? Une seconde chance, sérieusement? Ça avait déjà commencé à être le bazar avant que le soleil disparaisse, et quand le soleil a disparu, c'est allé encore plus vite. Donc il y a une chance que remettre le soleil en place ne résout
pas tous les problèmes, mais ça peut résoudre beaucoup de choses, non? Enfin, en soi... Bon, je vais garder... Arrêtons de penser à tout ça. Normalement, on a ce qu'il faut pour retourner voir le robot. Il devrait être pas très loin d'ici. Ouais, il est là. Ok, Pendentif, il est où? Il est là. Salut! Ah, ça a marché? Oui, c'est de l'ambre de l'endroit où tu dois aller. Cool. Parfait, ça marche alors. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est en surcharge? Oh. De quoi on a plus besoin? Quoi, le pied de biche? Mais il était tellement utile, t'es sûr? Masque à gaz et les gants. Ok, pourquoi pas. Bon, très bien. Ok, on y va alors, c'est parti. On sort enfin des terres désolées pour un nouveau monde. Oh, c'est beau. Il y a tout un tas de particules dans l'eau qui brillent. C'est mignon. Il est mignon, Nico. C'est un petit chat avec son énorme ampoule entre les pattes. Et nous y voilà, The Glen. Il devrait y avoir un village au nord, mais c'est tout ce que tu te souviens. D'accord, merci pour ton aide. Merci à toi. Oh, mais tu vas être tout seul là-bas, non? Ils disent tous ça. Ok. De quoi si je vais voir là-bas? L'horizon brille bleu. Ouais, c'est le bleu des terres désolées. On a des trèfles noirs ici apparemment. De l'eau à l'intérieur. Ouh. Ah, et la tour est au bout là-bas. On est donc dans une zone un peu plus... avec un peu plus de végétation. Hein. Plus verte en tout cas, ça c'est sûr. On passe du bleu au vert. C'est plus sympa. Des troncs d'arbres un peu partout. Oh! Bonjour toi. Oh, tu récupères des lucioles pour ta maman. D'accord. Bon courage. Hein? Des têtes de poisson. Poisson sèche, sec. Oh! Salut toi! Ah. Ça mord pas beaucoup? Je peux pas te parler à toi? Nope. Ok, donc c'est un village de pêcheurs, je l'assume. Oh! Vous êtes quoi? Vous êtes des oiseaux? Oh, mais ici, ici, il y a des inondations? C'est tout un tas d'îles qui deviennent de plus en plus petites. D'accord. Est-ce que tu vis toujours ici? Un peu. Il y a de moins en moins de poissons autour du village. Donc c'est juste temporaire. Ok. Et les ruines un peu plus profondément ont été abandonnées il y a longtemps. Mais il y a des enfants qui passent à travers de temps en temps. Ok. Apparemment ils vivent là-bas. Ok. Merci pour l'info. Hein. D'accord, donc. Ouais, c'est très fragmenté. Il y a de. Apparemment, il y a des problèmes d'inondation. Qui honnêtement me fait un peu penser à la fonte des glaces. En Antarctique. Les banquises fondent et ça se brise en plusieurs morceaux. Apparemment, c'est un peu ce qui se passe ici. Il y a des inondations et. Et des cloches. Où les cloches? Des pierres dans le vase, d'accord. Beaucoup de vases. Il y a de l'eau là-dedans. Salut. Père dit que le monde est très malade. Et que Noxferan peut le rendre meilleur. Non, ça c'est Nico. Il est juste le messager. Mais il peut me parler, ouais.
super cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La semaine dernière, j'avais plus de carrés. Des carrés, quoi? C'est des mêmes... Ils sont mauvais, bon. Je sais pas trop de quoi tu parles, mais on va garder ça en tête. Oui, c'est le soleil. Non, c'est pas... C'est une ampoule, donc... Ouais, au moins c'est un peu chaud, mais ça va. C'est pas brûlant non plus. De l'eau. Oh, de l'alcool, berk. Ouais, ne cherche pas à comprendre. Oh, du lait, c'est cool ça. Oups. T'aurais aimé du lait, Nico, t'es un chat. De la soupe. Non merci, on n'a pas faim. D'accord. Oh, c'est, ils ont l'air sympas les villageois ici. De la mousse verte. Oh, une mousse qui brille. Ah ouais, j'avoue que ça serait un problème s'il y a vraiment plus de lumière. Comment tu ferais attention à où mettre les pieds? Tu pourrais pas. Tu risquerais de tomber dans l'eau sans faire attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que je suis allé là? Wow, il y a beaucoup de jarres ici. Salut. Dernière réserve de graines. Il y a un problème de vermine en plus. Peut-être que tu peux récupérer des chats. T'es sûr, Nico? Tu veux pas faire la chasse aux souris? Du blé. De la farine. Ok. Encore des cloches. Salut. Ouais, il se fragmente rapidement. Je me demande si le soleil pourrait régler ça. Peut-être que la chaleur du soleil permettrait de diminuer un peu l'eau. Je sais pas. Tant de questions, aucune réponse. De quoi? Waouh. Ouais, on ramène le soleil, hein. Sérieusement? C'est... Je me pose une question quand même. Ils disent tous que le soleil réglera pas forcément le problème. Et peut-être qu'il le réglera pas entièrement. Peut-être qu'il améliorera juste un peu les conditions. Fais toi-même. Peut-être qu'il améliorera juste les conditions, mais qu'il fera que ralentir la fin du monde, si tu veux. Mais d'un autre côté, il pourrait juste être un peu... Il pourrait être déprimé. Ils ont l'air déprimés, en tout cas. Eh, mâchouille pas la mousse, c'est de la lumière, je crois. Quel goût ils ont? Je sais pas. Oui, la mousse, t'en fais pas, je sais pas. Honnêtement, de la mousse verte, j'aimerais pas en manger. Oh. Donc tu sers de la lumière des lanternes pour faire pousser tes plantes? Je vois. Ouais, ne marche pas dessus, il faudrait pas gâcher tout leur travail. Mais ouais, je me demande si... Est-ce que le soleil ne va vraiment pas régler tous les problèmes? Ou est-ce que ça va régler les problèmes et c'est juste que les gens sont devenus défaitistes, déprimés, de par le manque de soleil et tout ça? C'est une possibilité aussi. T'as autre chose à dire? Tout un tas de béliers. Toi, je t'ai parlé, toi? Ouais, sans soleil, c'est sûr que ça pousse moins bien. Ouais, je vais faire de mon mieux. On va se dépêcher. Oh, tiens, voilà le berger. Salut. Ah oui, t'as besoin de quelqu'un? Je peux t'aider, si tu veux. Tu les pousses un peu partout, ok. Ouais, j'ai la main prise.
Tu peux pas juste le garder, garder un œil dessus pour moi? Non, tu peux pas. D'accord. D'accord, donc faudra y penser. Si jamais on a une opportunité de laisser notre soleil quelque part, qu'on revienne l'aider. Tu as un problème, toi, non? What? Ok, on va s'en aller. Oui, bonjour. Ok, vous bloquez le passage. Toi, t'as un souci. T'es sûr, t'es pas en train de vomir à cause du tournis que tu as? Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Hey, bonjour. Salut. Oh, t'as un portrait, toi. Tu dois être important. Hein. Échanger? Faire des échanges? D'accord. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Je sais pas. Journal? Non, j'ai envie de savoir ce qu'il dit. Ça, non. Aucune chance. Et ça, c'est quand même un truc... c'est un morceau de souvenir important, quoi. J'ai pas trop envie de le donner. Peut-être qu'on trouvera quelque chose de moins utile. Il y a beaucoup de choses brillantes ici, apparemment. Waouh, beaucoup de choses, plein de choses qui ne servent probablement à rien. Vraiment beaucoup de choses. Oh, t'aimes juste la tête qu'ils ont? Ok, cool. Avec un wagon rempli de trucs. D'accord, bon bah, bonne chance pour ton... pour la suite. Peut-être qu'on y reviendra. Oh, qu'est-ce que c'est? D'accord. Sorte d'hôtel. Est-ce que je peux poser mon ampoule dessus? Nope. Est-ce que je peux poser l'ambre dessus, le collier? Nope. Une orbe. C'est fait d'ambre, d'accord, et un bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est grand ici. Oh, bonjour. Ah, oh, c'est sûr, oui. L'inondation ne peut que vous redonner plus de poissons, j'imagine. Et apparemment, il y a beaucoup de poissons dans ce vase. Il y a quelque chose là? Non, cul-de-sac. D'accord. Je devrais pouvoir voyager ici aussi, hein. Ouais. Juste au cas où j'ai besoin d'aller quelque part. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une entrée. Couverte de liane. D'accord, bon. Donc on va pas pouvoir avancer par ici. Voyage doc. Je crois qu'on a fait le tour ici. On est... Oh bah voilà, impeccable, on est de retour là. Exactement où je voulais aller, parce qu'on va pouvoir aller au sud maintenant. Encore des trèfles noirs. D'accord. J'aime bien la façon dont juste l'ampoule et les yeux de Nico brillent quand la lumière s'enlève. Allô là? Ouais, j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un. Sud-est? Ok. Allons au nord-ouest. Non, d'accord, y'a rien. Des arbres? Oh tiens, c'est pas toi, non? Un meilleur point de pêche que t'as trouvé? Cool! C'est une bonne chose, alors. Ah, non. What? What? Ok, non. C'est pas bon, vous avez pas mangé des serpents, quand même. C'est toi qui... Oui? Oh, salut. Une petite fille, ou... Oui, en haut. Oui, c'est le soleil. C'est... Oui, c'est moi. Ah. Ça va, t'en fais pas, hein, c'est... Cherche quelqu'un, ta petite sœur. Ça fait 3 jours qu'elle est partie. Oh oh. À quoi elle ressemble? Un peu plus petit que toi. Des longs cheveux bleus. Et 2 plumes bleues sur sa tête. Non, elle n'avait pas cette tête-là, la fille en haut. Au nord. Ouais, c'est où le dernier endroit où tu l'as vu? Dans les ruines?
Elle est en direction de la forêt, donc je l'attends ici. Ok, bah je garderai un œil ouvert pour ta sœur. Parce que tu viens du village, non? Ton père est parti du village quand on était jeune. Et ils vivent dans les ruines depuis. Juste Lula et lui. Ah ouais? D'accord. Un carré d'eau? Non, rien d'intéressant. On a un pont par ici. Oh, un robot, salut. Ah, tu collectes de l'eau? D'accord. Si tu fais des analyses, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'arbres. Des arbres verts. Tout est vert ici. La mousse, les arbres, l'herbe. Ok, continuons par là. Salut. Bonjour. Station de recherche? Docteur Silverpoint. Silver, la... Non. Et avec moi, Oxfern. Ok. Bon. Et toi? Salut. Ok, ils me demandent tous la même chose. Elle est importante, Docteur Silverpoint? Est-ce que c'est la même personne? C'est ça le principal. Peut-être, peut-être pas. Oh, toi t'es rouge, t'es méchant. Bonne question. Ah, c'est plus violet que rouge. Ouais. C'est juste là pour récupérer les échantillons de mousse de la semaine. Oh, tu viens de la ville alors. D'accord. Et toi? Toi, tu collectes les échantillons de mousse. D'accord. Cool. Cool, tout ça c'est cool. C'est, ils travaillent, c'est bien. Salut. Ah, le générateur. Ouais, nous on s'est occupé de réparer celui dans les terres désolées. Mais celui-là va bien. Bon, tant mieux. C'est une bonne chose. Ok, cool. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Beaucoup de robots. Oh, c'est des arbres de phosphore. Ils sont protégés par une nouvelle loi. Faut pas les couper. Mais oui, on comptait pas les couper de toute façon. Ah, et leur... D'accord. Donc ils poussent plus lentement maintenant. Pour je ne sais quelle raison. Bip boop. D'accord. Collection de... d'eau. Salut. Oh. Un échantillon d'eau, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que... les êtres vivants ont besoin d'eau pour survivre. Merci, c'est gentil. Donc, on a un échantillon d'eau. Un tube d'eau. Ok, cool. Autre chose? Nope. C'est ça? D'accord, plein d'échantillons. Oui, c'est ça, c'est des échantillons d'eau. Merci. C'est tout ce qu'on a ici. Oh, un autre robot avec des carrés. C'est ça les carrés? Une anomalie. C'est quoi? Une anomalie. Oui, merci. Mais autre chose? Non? T'as rien d'autre à me dire. C'est juste une anomalie. D'accord. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Donc, ok, on va pouvoir revenir. Niveau des ruines. Nope. Niveau de la, de la forêt. Voilà, parfait. On est ici, et on va pouvoir partir à l'est. Mais ça, mesdames et messieurs, on s'en occupera dans le prochain épisode. Eh oui. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce let's play vous plaît. Que vous ennuyez pas trop ou quoi, et que ça vous plaît de cette exploration. En tout cas, moi, ça m'intrigue beaucoup ce qui se passe dans ce monde. Un monde un peu sombre, un peu déprimé de par le manque de soleil. Mais on est là avec Nico, on est là pour les aider, pour les sauver. Et c'est exactement ce que je compte faire, en tout cas. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Salut.